Comment allez-vous? Nous sommes jeudi et je commence un nouveau vlog. Normalement, vous avez déjà vu mon vlog à New York que j'ai posté il y a quelques jours. Là, pour l'instant, le vlog n'existe pas encore. Je suis à fond sur le montage depuis hier. Ça y est, j'ai ma petite routine de montage. Je m'enferme les volets fermés. C'est une grotte cet appart. Il fait super chaud très vite. J'aimerais bien la terminer vers 16h. Et ensuite, j'ai pas mal de choses à faire à la maison. Je crois que je vais vous faire des timelapses ménage à fond les ballons. Parce que depuis New York, c'est un peu cradouille. Je vais pas vous cacher, voilà. Là, je vais me faire à manger pour ce midi. Car j'ai fait des grosses courses. Pour une fois, oui. Je manque tellement de rangement. Carrément, vous voyez que au-dessus de mon frigo, c'est utilisé. Rassurez-moi, dites-moi que chez vous, c'est pareil. Et j'ai un gros problème. J'arrive pas à dormir, voilà. Depuis que je suis rentrée. Impossible. Je m'endors vers 3h du mat depuis 4 jours. Je vais aller à la pharmacie, je vais prendre de la mélatonine. Mais j'en ai pas, ça m'étonne. J'ai tout dans cette baraque, mais j'ai pas de mélatonine. Je vais me faire une petite salade. Oh, du surimi. Quand j'étais petite, c'était ma plus grande phobie. Je préférais mourir que manger ce genre de choses reconstituées horribles. Et maintenant, mais... c'est délicieux. Je pense que ce vlog, ça va être n'importe quoi. Pour m'aider dans mes soucis de concentration, de productivité, etc. Maintenant, je bosse tout le temps avec un minuteur. Je me fais des sessions de 1 heure sans bouger de l'ordi, etc. Là, j'ai mon petit truc et franchement, ça marche de ouf. C'est beaucoup plus cadré. Voilà, c'était mon petit conseil. En train de préparer une petite table d'anniversaire sur le balcon. J'essaye de rendre le balcon un peu cute, il ne l'est pas du tout, mais avec 2-3 artifices ça passe. Les traiteurs ont sueur en voyant que j'ai foutu des œufs durs sur mon plateau. C'était mon envie du soir, des œufs durs. Petite interlude dans le vlog pour vous parler de la marque qui sponsorise cette vidéo. Je suis très contente de travailler avec MyLuby. MyLuby, c'est une marque de produits, accessoires, soins intimes. Je vais vous montrer tous les produits que j'adore. Moi, cette marque, je l'ai connue dans un des vlogs de Léa. Je ne suis pas jolie. Alors Léa, si tu passes par là. Je te remercie parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour la marque. Et en fait, une semaine après avoir vu le vlog, j'étais à un événement Blissim où ils avaient un petit corner et où j'ai pu rencontrer la marque, papoter. J'ai pu repartir avec plein de produits, notamment des préservatifs, lubrifiants, tout ça. J'adore la marque parce que déjà, les packaging, la DA, tout est cool et ça change des produits, un peu des marques traditionnelles qui donnent juste pas envie. Déjà par exemple, si on parle juste de préservatifs, ils sont cute, ils font pas peur. Et le plus de cette marque, c'est qu'ils privilégient des compos sans ingrédients dangereux, sans ingrédients controversés. La plupart de leurs produits sont à 99% d'ingrédients naturels. Voilà, ils sont hyper transparents sur tout, vous pouvez aller sur le site et découvrir vraiment la marque. Et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui parce que je vous parle souvent de mes règles, de mes infections urinaires, de contraception aussi, les poses de stérilet, pilules, les trucs. Et je trouvais que ça faisait sens de continuer à vous parler de tout ça, vu que nous sommes ensemble dans les galères de contraception et dans l'exploration de notre sexualité. La marque m'a vraiment laissé carte blanche pour vous parler vraiment des produits que j'adore. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que je les aimais tous. On est dans la merde, ça va être super long. Mais c'est parti. J'ai commencé à tester la marque avec les préservatifs et le lubrifiant. Et ceux-là, je les trouve tellement plus cool à utiliser que ceux-là qui sont dans des packaging noirs. Ça se voit, ils sont chimiques, bizarres. Ceux-là, ils sont en latex naturel et ils sont ultra fins. Je vais pas vous faire genre que c'est aussi bien que s'il n'y en avait pas. Mais c'est pas du tout une tannée de les utiliser. Donc voilà, si vous en cherchez, ceux-là, ils sont validés. Et pour aller avec ça, c'est un de leurs best-sellers. C'est le lubrifiant naturel à base d'eau. Du coup, qui est compatible avec les préservatifs et aussi les petits accessoires de plaisir. Ça, c'est juste un must-have, en fait. C'est à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et je sais pas, j'aime trop la texture, ça colle pas.
Et il vous en faut vraiment très peu, donc là ce tube va me faire des lustres. Ensuite ça, c'est à cause de Léa, parce qu'elle en parlait dans sa vidéo, ça m'a donné trop envie de tester. Je pensais pas moi, en le testant, que j'allais rencontrer un meilleur pote. Mais mince, c'est un meilleur ami pour la vie ce truc. Ça s'appelle Dune, et c'est le premier accessoire de plaisir de la marque. Je vais pas vous faire un dessin, ce petit truc en forme de coquillage est extrêmement efficace. Je me porte garant, je l'ai recommandé à toutes mes copines, donc maintenant je vous partage ce savoir. J'aimerais que vous puissiez tester la texture de ce truc, qui est ouf. Est-ce que vous l'entendez? Non, car il est très silencieux. Il est génial. Et alors le dernier produit de la marque que j'ai testé, c'est un soin. C'est un soin à tout faire. C'est à la fois un lubrifiant et un soin quotidien. C'est l'huile intime au CBD. C'est un produit qui est complètement naturel, qui est enrichi en huile d'amande douce, huile de tournesol, huile d'abricot, de prune et surtout de CBD. Le CBD, on le sait, ça a plein de propriétés différentes. Ça permet à la fois de détendre la zone intime, de la stimuler, mais il peut être aussi utilisé en massage pour soulager des douleurs, des règles. Il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent pour des douleurs liées à l'endométriose, au vaginisme, si vous avez des sécheresses, sachant aussi si vous avez des douleurs, n'hésitez pas à consulter pour trouver d'où ça vient, peut-être trouver une solution sur le long terme, mais en tout cas pour soulager les petits inconforts. Je sais que pendant mes règles, j'aime trop me masser le bas du ventre avec, ça soulage. C'est vraiment voilà, un produit à tout faire qui est tellement agréable à utiliser, genre les sensations avec, mais c'est vraiment une huile. Et c'est sans parfum, mais alors, si vous aimez l'odeur de l'amande, on sent quand même l'amande douce. Voilà, ça c'est mes produits préférés de chez MyLubi. Je vous mets un code promo juste ici qui vous donne moins 15% sur tout le site. Là je suis vraiment genre sûre que la marque va vous plaire. Si vous êtes à la recherche voilà, de produits qui soient cool à utiliser, qui soient en plus safe pour la peau, pour la santé. Ils m'avaient aussi envoyé d'autres produits parce qu'ils étendent la gamme petit à petit. Là c'est des produits de bien-être que je dois tester. Une infusion des encens, totalement ma gamme. J'ai aussi commencé à tester l'huile de massage. Et ils ont fait aussi un petit cahier de vacances un peu sexo. Complètement sexo. Qui fait bien. Moi, je vais ranger tout ce bazar. Ça y est, je vis complètement dans le noir. Volet fermé pendant 3 mois là. Ventilateur. Et nous partons pour Décathlon. C'est un peu comme Ikea. Je suis très très excitée. Je pars en Corse là dans une semaine et demie. On va faire un peu de rando. Du coup, il nous faut un peu de matos. Nous n'avons pas grand chose pour faire du bivouac. Donc voilà, on va aller s'équiper chez Décathlon. Hello, moon. I reach through mysterious ceilings. My only hope. I look for the things I don't know. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. En tout cas, profitez bien. Merci. Amusez-vous bien. Une fois que vous avez fini votre boucle, vous passez ce témoin. Le repas de ce midi qui me rend très heureuse parce que j'adore les gnocchis. My own life, you with your own life, and then together we share this relationship. J'ai fini de bosser. Très envie de me faire une petite manucure avec monsieur l'assistant juste là. Qu'est-ce que je fais? Les ongles sont faits. Je suis fan de cette couleur. Je vous reprends enfin réellement. Nous sommes lundi et le week-end m'a fait trop du bien. C'était trop chouette. D'ailleurs, je vais vous faire un petit haul Décathlon pour vous montrer un peu ce qu'on a acheté avec mon amoureux pour notre rando. Ça vous donnera peut-être des idées si jamais vous en avez de prévu bientôt. Samedi, il y a eu la course. Orange Night Run, ça s'est trop bien passé. C'était un moment trop trop bien. Vraiment, l'ambiance était géniale. Je sais pas, il y avait un mood
trop positif. Moi j'ai couru du coup 5 km et j'ai pas trouvé ça simple du tout parce que je suis partie comme une fusée et du coup tout le reste de la course était très dur. Mais vraiment j'ai tout donné, donc super contente. Et dimanche j'étais avec mes copines, j'ai pas vlogué. Bref voilà, nous sommes rendus à lundi, j'ai taffé toute la journée, c'était pas intéressant. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Decathlon et aussi chez Leroy Merlin parce que j'ai enfin acheté des cadres pour toutes les affiches que j'avais un peu éparpillées partout. Vous savez ce genre de tâches que vous avez sur votre to-do list pendant un an, c'est aujourd'hui que ça se passe, j'ai acheté les cadres. Je vous montre nos trouvailles. Déjà, élément le plus important pour pouvoir bivouaquer, c'est une tente. Là, on a pris la tente de trekking MT900. On pouvait l'essayer dans le magasin. Ils nous ont eu très vite. Elle avait l'air trop bien, ultra légère. Hâte qu'on n'ait pas le temps de la monter une fois avant de partir et donc que ça soit assez rigolo à monter. Ça fait partie de l'aventure. On s'est pris deux oreillers, un matelas, un petit couteau, des gourdes de 1,5 litre. J'ai trop peur qu'on meure de chaud et de soif. Donc je pense que je vais partir avec beaucoup trop d'eau. Deux jolis mugs d'aventurier comme ça. Indispensable, une cuitochette. C'est une cuillère, un couteau et une fourchette en même temps. Ça, j'ai de gros doutes. T'as juste à rajouter de l'eau. Ça permet que ça soit des repas déjà faits, ultra légers du coup. Et on s'est pris les petites collations pour la grimpette. Des pâtes de fruits et alors ça a l'air trop bon. Donc voilà, petit haul randonnée. Et alors chez Leroy Merlin, je me suis pris ces trois cadres. J'en ai pris un en bois comme ça, un en bois un peu foncé, noyé. Un qui est seulement, vous savez, juste une plaque sans bordure. Et je me suis pris ces petites accroches là qui permettent de poser des cadres sans faire de trous. C'est la base. Il est 7h du matin et il y a entraînement aujourd'hui. Et j'ai en prime un bouton de fièvre. Oui, je me plains là ce matin, c'est compliqué. Du coup, j'ai mis un pansement dessus pour pas contaminer toute la terre. Il est 7h07 et la journée commence exactement comme hier. Je me suis préparée vite fait pour aller à un cours de sport, cette fois-ci avec Veja qui sort une nouvelle paire de chaussures. Du coup, je vais aller tester ça. Il y a toujours plein de cours de sport qui sont organisés par des marques assez régulièrement. Donc c'est vrai que c'est un peu de la triche, c'est une façon de rester assez motivée. Parce que c'est trop cool, il y a des coachs et tout. Du coup ça, j'en profite bien, j'avoue. J'ai des courbatures de ouf après la séance d'hier. En plus, je crois que mes règles arrivent. C'est pour ça qu'hier, j'étais vraiment pas trac. Ouh, j'avais envie de rien. Mais là, ça va faire du bien. Thank you.
Ce matin, c'était sport et ensuite, je suis rentrée, je suis allée chez le médecin pour faire un certificat médical. Et ensuite, j'ai fait des stories pour une marque. Et là, je me suis dit que j'allais faire le tri que je redoute et que je décale depuis des semaines. C'est le tri de mes chaussures. J'ai un meuble à chaussures dans le couloir. Je pense qu'il va bientôt s'effondrer parce que j'ajoute des paires comme ça. Donc, il va falloir que je les mette en vente sur Vinted et on va trier ça ensemble. Avant ça, regardez comment je marche après mes deux séances de sport. Je peux pas marcher plus vite. Mon corps n'est que courbature et douleur. Ce soir, je suis face à un dilemme social. Soit annuler mes plans avec mes amis parce que je déteste la fête de la musique. Ce genre d'événement me donne de l'anxiété. C'est toujours des plans galères dans Paris. Tu sais pas où tu vas, t'es serré, tu bois trop de bière. Pour toutes ces raisons, je ne fais jamais la fête de la musique. Mais là, on avait prévu de se voir avec mes copains. Et eux, je sais que ça leur fait plaisir de marquer un petit peu le coup. Et moi, je veux juste les voir, eux. Mais si j'annule, je vais être triste de pas les voir. Mon rêve, c'est de boire une bière sur mon balcon. Là, je suis en train d'essayer de faire des compromis avec moi-même dans ma tête, genre « Ok, t'y vas, c'est 30 minutes de métro, tu restes pas longtemps, tu reviens. » On a de graves problèmes, les jeunes, quand même. Je suis très déçue. Voilà les chaussures que je vais vendre. Il n'y en a pas tant que ça. Bizarrement, des chaussures que je garde, il y en a 45. J'ai fini de tout ranger. Je suis très contente parce qu'il reste une place là et deux places là. Et j'ai mis là les chaussures que je porte le plus souvent. Là, j'ai mis les talons d'été. Et là, du coup, j'ai mis mes chaussures de running en haut et les chaussures de training juste là. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je pourrais vous faire une petite revue un peu de ce que j'utilise dans mes séances. Là, j'ai mis les petits nu-pieds, les chaussures d'hiver. Et rando, trail. Et j'ai vraiment caché le meuble dans le couloir, comme ça, quand on arrive, c'est clean. Oui! C'est bon, j'ai mis ma chemise que j'aime bien. Ça va être la chemise motivation. Je l'ai mis avec un short en jean. Un coup de make-up. Et je vais être motivée pour aller boire quelques bières là, avec les copains. Sinon, je vais encore pas les voir pendant 1000 ans. Et c'est pareil pour vous parce que, du coup, là, on est. Quand je suis, on est quel jour là? Mercredi. Vous allez voir cette vidéo samedi. Et je pars ensuite la semaine prochaine pour quelques jours mi-rando, mi-festoche. Je vais passer une tête à Calvi on the Rocks. Vous savez que c'est mon festoche préféré. Tout ça pour vous dire que la semaine prochaine, je ne vais pas vlogger parce que j'ai envie de profiter à fond de la Corse, vu que c'est toujours mes vacances préférées. Mais je vous posterai toute la semaine en story sur Insta, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Puis voilà, du coup, on se retrouvera peut-être la semaine suivante ou celle d'après. J'espère que vous avez des chouettes plans de prévus pour cet été. N'hésitez pas à me raconter dans les commentaires, je les lis tous à chaque fois. Et puis voilà, je vous embrasse, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.